C'est un grand plaisir de vous recevoir, chers nouveaux arrivants chez nous. Mon nom est Joannie Chouinard, je suis agente de développement communautaire et sportif à la ville de Matane. Jeudi soir dernier, à l'hôtel de ville de Matane, se tenait une soirée de réseautage pour les nouveaux arrivants à Matany. Une occasion en or pour rencontrer d'autres personnes fraîchement arrivées et plusieurs intervenants phares de la région. C'est une activité d'accueil qui est de retour pour une cinquième année. C'est une activité qui est très conviviale. Dans le fond, c'est faire connaître les gens du milieu, les services, les différentes activités aux néo-matanais, néo-matanaises. Puis dans le fond, c'est ça, il y a des petites présentations, il y a un guide d'accueil qu'on remet aux nouveaux arrivants. Ensuite, il y a une petite activité de speed meeting réseautage aussi qu'on organise sur différentes thématiques. Vous venez de quel endroit? Moi, je viens d'Ottawa et ça fait une semaine que je suis à Matane. Et puis, qu'est-ce qui vous a amené à Matane? C'est le travail? C'est d'autres raisons? Mais oui, c'est le travail. Vous travaillez dans quel domaine? Secteur public pour le gouvernement fédéral. Puis jusqu'à maintenant, vos premières impressions de Matane après une semaine seulement, c'est quoi? C'est une belle petite ville. Et les gens sont assez sympas. Cecilia, welcome in Matane. Thank you. So, you've been here for? About 2 months. August 28th, I arrived here. And you are from? Alberta. And you're here for work or something like that? Yes, I'm the English monitor at Zeno Souci for about a year. And what do you think about the city right now? I love it here. It's so beautiful. The autumn colors. It's really nice. En compagnie de Monsieur Louis Hardy, d'abord bienvenue à Matane. Merci beaucoup. Très aimable. Et puis vous êtes arrivé ici dans la région à quel moment? Je suis arrivé ici précisément le 22 juin 2014. Je suis un nouvel arrivant, je pourrais presque le dire. Et qu'est-ce qui a amené Louis Hardy à venir s'établir en Matany? Je vais être indiscret. Dans mon propre cas, là, c'est l'amour. J'ai trouvé l'âme sœur et ici à Matany. Et moi, je vais une liberté de mouvement. Je suis retraité, alors je peux aller où je veux. Alors, je suis revenu rejoindre mon amoureuse ici à Matany. C'est avant toute chose, c'est ce qui s'est produit. Pour mon travail, je passais souvent ici en Gaspésie. Je suis un amant de la mer. Et à toutes les fois que je repartais vers des régions plus urbaines, j'avais un gros regret. Puis je me disais, est-ce qu'un jour je vais pouvoir passer du temps ici, pouvoir m'installer, pouvoir profiter des couchers de soleil, de ce que la nature a à nous offrir ici. Et là, enfin, c'est arrivé. Bien, c'est sûr qu'on recherche encore une méthode infaillible de retrouver tous les nouveaux arrivants dans la dernière année. Mais on passe d'abord par le compte de taxes là, ici à la ville. Fait que c'est sûr que ça inclut seulement les gens qui ont acheté une maison. Fait que ceux qui sont en appartement, bien, on essaye plus d'aller les chercher là, avec Place aux jeunes, au Carrefour Jeunesse Emploi ou avec Catherine Berger au service d'accueil des nouveaux arrivants. On appelle les employeurs aussi, des fois, si ils ont les gros employeurs de la place pour savoir s'ils ont des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de se joindre à leur équipe. Là. Joannie, merci beaucoup et puis on va se souhaiter une belle soirée ce soir. Merci beaucoup. Télé Cogeco, c'est vous